Hello à tout le monde, live 50 sur 365. Aujourd'hui avec un super sujet que quelqu'un m'avait proposé et que je trouve vraiment très très intéressant à partager. Elle m'a dit, mais est-ce que vous pouvez parler des remontées assises, des régurgitations, des brûlures ou sinon de l'hernie hiatale? Et c'était encore une femme qui a demandé ça pour son mari. Mais en fait, c'est un super sujet dans toute cette question, en fait, dans laquelle on parle intestin, digestion et tout ça. C'est-à-dire, en médecine chinoise, il faut imaginer que chacun des organes a bien évidemment un rôle énergétique au-delà de son rôle biochimique, en fait, de digestif et de fonctionnel dans le corps. Et en plus, il a une direction. C'est-à-dire, il y a des organes qui vont monter, d'autres qui vont descendre. Et en fait, c'est plutôt logique que l'estomac a une direction qui est descendante, heureusement, parce que sinon on sera en train de vomir tout le temps. Quasiment tout notre système digestif, en fait, que ce soit l'intestin grêle, gros intestin, estomac, est descendant. Le poumon descend parce qu'on inspire là et ça va jusqu'ici, même si c'est en haut du corps, mais ça descend. La vessie, elle descend, le rein, elle descend. Et on a quasiment que deux organes qui vont remonter, c'est-à-dire c'est la rate qui fait monter le pur et l'énergie pure vers les organes de sens, vers le poumon et vers le cœur. Et le foie qui, lui, a aussi une grande puissance montante pour faire circuler l'énergie. Alors, quand on a des remontées acides, en tout cas quand ça remonte de là à là, que ce soit des nausées, des remontées, des acidités, des difficultés, des hoquets, tout ça est lié à ce qu'on appelle un sini de l'estomac, une inversion de l'énergie de l'estomac qui lui devrait descendre. Et en fait, l'énergie de l'estomac s'appuie sur l'énergie du poumon, qui lui descend aussi. Les deux sont vraiment deux grandes forces qui descendent. Et quand les deux sont faibles, c'est-à-dire quand il y a allergie, quand il y a asthme ou quand il y a des faiblesses digestives, ben en fait, ça descend pas très très bien. Et du coup, ça remonte dans l'autre sens. Que ce soit des remontées après manger ou une hernie hiatale où vous avez le clapet qui ferme pas, hein. En fait, vous avez l'œsophage qui est là et ici, il a une petite clapette qui ferme. Parce que ici, là, dans la bouche, vous avez un milieu qui est plutôt alcalin, l'œsophage est encore différent, et l'estomac est vraiment complètement un milieu acide. Et cette acidité, théoriquement, elle ne devrait pas remonter. C'est pour ça qu'il y a un clapet. Et quand l'estomac est trop plein, théoriquement, ou quand il y a d'autres choses, ben en fait, le clapet peut s'ouvrir et c'est pas remonté. Certaines personnes ont même une aggravation de ça quand ils sont allongés. Dès qu'ils sont allongés, pouf, le clapet, il s'ouvre. Mais tout ça, ce n'est juste une autre faiblesse énergétique du corps qui n'a pas suffisamment de force pour tenir ça à sa place, de le tenir fermé et de le tenir bien là où il devrait être. Ça, on appelle ça manque d'homéostasie. Donc, en fait, c'est lié à la faiblesse de la rate qui lui est associée à l'estomac. Hein. En fait, les deux font partie de l'élémentaire. Et qui maintient les choses à leur place. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui fiche le camp, de là où il devrait être, parfois, c'est une faiblesse de la rate. Donc, toutes ces remontées, tout ce qui va de là à là est une faiblesse de l'élément terre. Hein, quand c'est, ça peut être juste de l'aliment, en fait, qui remonte sans que ce soit forcément acide. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est-à-dire, c'est bien quand c'est acide parce que ça montre que notre estomac a suffisamment d'acidité. Et souvent, le goût acide est lié aussi au foie. Donc, quand il y a une grosse remontée acide, on voit que c'est la force du foie qui pousse vers le haut et qui est à l'origine, ou en tout cas qui est mêlée à cette inversion d'énergie et que ça remonte. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir des inversions d'énergie des organes? Alors, déjà par faiblesse de l'organe, si votre organe est énergétiquement faible, il sait plus trop où aller et du coup il remonte au lieu de redescendre. Ou sinon, quand vous avez ce qu'on appelle une disharmonie entre deux organes, et la plupart du temps c'est une disharmonie foie-rate, c'est-à-dire qu'il y a le foie qui, lui, c'est un râleur, hein, le foie, il est chiant. C'est pour ça qu'on veut toujours le drainer dans les détox.
Le foie, en fait, quand il est contraint dans sa libre circulation et quand ça digère pas bien, ben, en fait, la libre circulation est entravée. Quand ça fonctionne pas comme lui il veut, ben, en fait, il va râler et il va bloquer. Et du coup, quand il bloque, ben, en fait, ça circule pas bien et ça va remonter. C'est très, très, très courant. Et toutes les gens qui ont des problèmes de stress, d'irritabilité, hein, de frustration, d'agacement, d'empêchement, en fait, qu'ils ne peuvent pas vivre librement ce qu'ils aimeraient bien faire dans leur journée. Mais en fait, ils ont tendance à être sujetés à ça et ça peut influencer sur l'estomac, mais ça peut par exemple aussi influencer sur le cœur et faire des palpitations ou une tension. Après, ça montre le foie, en fait, c'est un peu comme le grand dans la cour des récré, hein, il est chiant et il embête que les plus faibles. C'est-à-dire, il va chercher l'organe qui est lui énergétiquement faible et c'est là où il aura son plus grand impact. Donc, quand vous avez un système digestif qui est faible, rate faible, estomac faible et que ça descend pas bien, ben en fait, le foie pourrait facilement les embêter. Quand vous avez un bon estomac qui lui descend bien, lui, il n'est pas du tout dérangé par le foie qui fonctionne pas. Hein. Il y a autre chose, souvent une grosse malcompréhension avec ces acidités de l'estomac, on pense toujours que notre estomac est trop acide. Et ce n'est pas du tout le cas. En fait, notre estomac a naturellement un pH à 2,5. Et la plupart du temps, aujourd'hui, il n'est pas trop acide, parce qu'en plus, l'estomac, il sécrète un gel, en fait, qui protège l'intérieur de la paroi. Donc, soit il y a ce gel-là qui est défaillant, ça peut être le cas. Et là, l'estomac, là, il pourrait y avoir des ulcères, mais la plupart du temps, c'est lié au fait que ce n'est pas suffisamment acide et que du coup, la digestion ne se fait pas du tout bien. Donc, quand ce n'est pas suffisamment acide, vous arrivez ni à digérer les protéines, ni les graisses. Et du coup, ça va créer du désagrément. Et c'est ce désagrément qui est toujours lié à la même chose, à la faiblesse de l'estomac. Qui va créer des remontées. Donc souvent, c'est un petit combinaison de plusieurs facteurs qu'il faut bien préciser quelle est la racine du mal. Et souvent, on a aussi et encore et comme toujours le froid qui interagit là-dedans. Parce que imaginez que vous mangez froid, cru, sorti du frigo, voilà quoi, et que votre corps est obligé de réchauffer, du coup, plus que d'habitude, parce que votre intestin, votre estomac, en fait, il digère à 37 degrés, hein, point barre, ta température intérieure du corps. Donc, en fait, tout ce qui rentre, et que ce soit quelque chose qui est à 8 degrés et qui sort du frigo, bah, le corps a besoin de le remonter à 37 degrés. Et en fait, ce remontage, de température, il se peut que votre corps, bah, il fasse un tout petit peu trop. Et qui se dit, ah merde, c'est froid, on y va, on y go, on y go. Et du coup, vous avez une sensation de chaleur intempestive, une brûlure qui va vous déranger juste après le repas. C'est une brûlure énergétique. En fait, il n'y a rien qui brûle réellement ou qui acidifie ou qui dérange ici. Mais c'est une sensation de brûlure parce que votre corps a besoin de trop chauffer. Et alors qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de trop chaud, et qu'est-ce qu'on a comme réflexe? On boit froid ou on prend quelque chose de froid pour calmer cela, ce qui va toujours que aggraver le problème. Donc, je vous conseille juste que si vous avez ça, dans un premier temps, c'est toujours le même conseil, hein, c'est manger chaud et cuit. Manger des trucs pas trop compliqués et voyez si ça peut améliorer déjà les remontées acides parce que, surtout quand on donne des inhibiteurs de pompe à protons, c'est ce qu'on donne quand il y a de l'acidité. Ce sont des médicaments, en fait, qui vont baisser l'acidité de l'estomac, alors qu'il doit être acide pour que vous puissiez bien digérer les protéines et les gras. Et si vous n'arrivez pas à les digérer, votre corps va manquer de micronutriments, va manquer d'acides aminés essentiels qu'il ne pourra pas assimiler et vous allez vous retrouver dans plein de défaillances cellulaires. La régénération du corps au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, tout ça, ils sont dépendants en fait des protéines que vous consommez. Et quand vous ne les digérez pas, tout votre corps, toute la biochimie de votre corps fout le camp. Donc l'important, c'est de préserver en fait ce feu de l'estomac et de le faire fonctionner à la bonne température et à la bonne énergie avec la bonne direction. Et ça, on arrive à réguler ça avec une assiette qui est adaptée à notre terrain.
Avec quelque chose qui est adapté à notre constitution, à ce que nous avons besoin, à manger les choses de lesquelles n'importe quel corps humain a besoin, et à réguler en fait le milieu de l'acidité de l'estomac à la bonne dose, soit trop acide, soit pas assez acide, et de retrouver le juste milieu pour que ce pH-là puisse se stabiliser, parce que c'est vraiment le noyau même. De notre digestion. Si à cet endroit-là, ça foire déjà, tout le reste, vous avez beau travailler sur votre gros intestin, sur votre intestin grêle, sur votre foie, si à cet endroit-là, ça merde, ça va merder partout ailleurs. Donc ce sont des choses sur lesquelles on travaille beaucoup dans le programme des alchimistes, parce que c'est traiter le problème à la racine. Hein. Hein, vous pouvez traiter ça aussi, par exemple, avec de l'acupuncture qui va tout simplement harmoniser les énergies de l'estomac pour qu'il fasse le travail tout seul. Il sait faire ça tout seul. Il sait se réguler le corps, il est programmé pour ça. Vous pouvez aussi chauffer à cet endroit-là. Hein. Souvent, les gens ont tendance à mettre la bouillotte sur le foie, ça c'est bien, mais la bouillotte sur le ventre, c'est excellent aussi. Après le repas, le gingembre va beaucoup aider, les aromates amers, les infusions amères. Hein, j'ai déjà donné, vous pouvez faire ça avec du thym, avec des clous de girofle, avec des graines de fenouil, avec des feuilles de laurier, avec les baies de genièvre vont aider aussi. Vous pouvez faire des tisanes de tout ça, mais plus le goût est amer, aussi désagréable que vous pouvez penser que c'est, mieux c'est en fait pour votre digestion. Il n'y a rien de mieux qu'un petit quelque chose d'amer après le repas, pour relancer en fait le bon fonctionnement des sécrétions de l'estomac et du bon pH. Et faites attention à tous ceux qui aiment bien prendre, par exemple, du bicarbonate de soude et tout ça. Ben en fait, le bicarbonate de soude est très un pH très élevé. Donc, en fait, à chaque fois, il va un peu neutraliser votre acidité et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire dans l'estomac. Même si ça va calmer les brûlures de l'estomac dans un premier temps. Mais le but, en fait, c'est d'avoir des acides gastriques qui sont au bon pH et qui bossent bien. Donc, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à demain pour un nouveau sujet de digestion. Allez, je suis lancée là. Salut!